Bonjour à tous, les enfants et les parents. Nous allons vous présenter deux familles. Dans la première famille, voici Sébastien, le papa. Je suis le roi du bricolage. Ça, c'est Anne, la maman. J'aime bien faire des crèmes balles aux pommes. Miam, miam. Ils ont des enfants, voici Clément. J'ai 7 ans et je suis le plus grand. Et voici Marine. Je suis la seule fille de la famille. Et voici enfin Kylian. Je suis le plus petit, mais j'aime pas trop quand on me le dit. Et ça, c'est Eric, leur grand-père. J'habite loin de mes petits-enfants et je ne les vois pas souvent. Cette famille a des voisins. Il y a François, le papa. Avec ma femme Sonia, nous sommes arrivés ici il y a peu de temps. Ils ont un fils, Andy. Je suis content de m'être fait des copains dans le quartier. Ces deux familles vont vous faire partager 3 moments de leur vie. Peut-être que ces moments vont vous rappeler un peu votre vie de famille à vous. Mais chut, regardez et on en reparle après. Venez les enfants, on va se mettre en pyjama. Il faut que vous soyez en forme demain. C'est la fête de l'école et je vais danser. Moi, je serai un bel oiseau. Tra-la-la-la-l'air. Vous allez voir mon costume comme il est beau. C'est moi qui l'ai fait. Avec ma maîtresse. Ce sera ta première fête de l'école, mon chéri. Avec papa, nous allons t'applaudir très fort. Bravo, bravo, bravo bel oiseau. Tiens, là papa. Eh oui, mais je ne suis pas tout seul. Devinez qui vient vous voir. Coucou les petits loups. Papy. Ouh. C'est toi la surprise. Eh oui, je veux voir mes petits loups. À la fête de l'école. Bravo papy, tu vas voir tous mes copains. Tu viendras avec moi à la pêche à la ligne? C'est trop bien la vie. Vous avez vu? Ils ont l'air drôlement heureux. Vous aussi ça vous arrive quelquefois en famille? Je vous propose d'en discuter ensemble entre vous, les enfants et les parents. Dites-vous ce qui vous rend heureux en famille. Racontez-vous le dernier bon moment que vous avez passé ensemble et pourquoi vous étiez heureux. Tout ça reste entre vous bien sûr. Alors l'idée c'est d'échanger 10 minutes pour parler un petit peu avec les enfants, en famille, de ce qui rend heureux et puis ensuite on fera un deuxième sketch. Mais où est passée ma super toupie bleue? Bah, je sais pas moi. Tu ne sais pas? Ça m'étonnerait, tu farfouilles toujours dans mes affaires. Non, c'est pas vrai. Si, je t'ai vu. Menteur! Voleuse! Que se passe-t-il? Pourquoi tous ces cris? C'est un menteur! Elle m'a pris ma toupie, c'est une voleuse. Comment? On dit pas cela. Allons, calmez-vous. Expliquez-moi tranquillement ce qui s'est passé. Maman, maman, regarde, j'ai trouvé ça sous le canapé. Ma super toupie bleue. Clément et Marine, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à vous dire? Ouh là 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 là, ça chauffe chez Marine et Clément. Est-ce que chez vous ça arrive aussi? Et comment est-ce que cela se termine? Je vous propose de parler de tous ces moments où ça n'est pas facile de vivre ensemble et où ça fait mal. Dites-vous ce que vous ressentez, les uns et les autres, et cherchez ensemble ce que vous pouvez faire pour que ça passe mieux. Alors l'idée c'est pareil que tout à l'heure, on prend quelques minutes, et cette fois on va parler de ce qui est un peu plus difficile en famille et comment on fait pour que ça aille mieux. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe chez Andy? Poussez-vous, je vois rien. Il y a des messieurs tout en blanc. Des ambulanciers. Des quoi? Des ambulanciers. Ils mettent la maman d'Andy dans l'ambulance. Mais pourquoi? Elle est malade? Allez les enfants, venez dire bonjour à nos voisins. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur, bonjour Andy. Bonjour les enfants, ma femme s'est cassée la jambe. Oh! Ça fait mal? Elle va à l'hôpital se faire opérer et ça ira mieux après. Et Andy? Andy va venir quelques jours à la maison. Son papa doit partir pour son travail. Ouais! Tu viens, Andy? On va jouer au Playmobil! Je veux bien! On va dormir tous les deux. Ça va être super! Si tu veux, je te prête ma lampe en forme d'avion. Heureusement que la famille de Kylian a pu aider celle d'Andy. Ça vous est arrivé à vous d'être dans la situation d'Andy parce que vous aviez un gros souci? Ou dans celle de la famille qui rend service à une autre famille? Qu'est-ce que ça fait d'aider ou d'être aidé? Comment votre famille est-elle ouverte aux besoins des autres autour, voisins, amis? Discutez-en.
Alors là, on prendra un dernier temps pour parler de s'ouvrir un petit peu et voir comment nos relations avec d'autres familles.